L'Amicale des sapeurs-pompiers de Belfort organise les 24 heures de la Miotte, un relais sportif 24 heures non-stop, alors que leurs collègues sont sur le front des inondations. Des deux côtés, en tout cas, l'exemple est fort. Heureux comme un poisson dans l'eau, mais l'homme grenouille rit jaune en pensant qu'il faudra aussi pédaler et courir sous la pluie battante. Mais quand on a la foi. Or, les sapeurs-pompiers de l'Amicale en ont à revendre. Après avoir couru 100 km en 84, ils récidivent aujourd'hui avec ces 24 heures auxquelles participeront 51 concurrents. La forme physique n'est pas un vin mot chez nos sapeurs, pour lesquels le sport est une pratique quotidienne intensive. Aussi est née l'idée de cette épreuve originale. Chaque concurrent assurera un relais, soit 30 minutes de palmage, 1 heure de vélo, 30 minutes de course à pied, au total 41 relais. Pour l'instant, 4000 mètres de palmage et 240 km de vélo ont été parcourus. Mais quand ils arrêteront demain à midi, ils auront fait une heure supplémentaire. Et oui, nos braves pompiers n'avaient pas pensé au décalage horaire de cette nuit.